Bonsoir Paris, yeah! Salut tout le monde, c'est Bilal Hassani, j'espère que vous allez bien. Moi perso, je vais super bien. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore vu Les Indestructibles 2, spoiler, mais vous trouvez pas que je vous semble grave à Vortex? Je suis choquée, genre littéralement avec ses cheveux, je ressemble trop à Vortex. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Bonjour! Salam, comment ça va? Hi, konnichiwa, genre. Perso, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes. Et voilà, depuis mon dernier ask, j'ai gagné 100 000 abonnés sur ma chaîne. Donc, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées, de nouvelles personnes qui ne me connaissent peut-être pas trop. Donc, j'ai décidé de refaire un ask. J'ai ouvert les questions sur Instagram, Twitter et YouTube, pour que vous puissiez tous me poser des questions et on va y répondre aujourd'hui. Donc avant de commencer la vidéo, juste pour cette perruque, je mérite un pouce en l'air, un pouce bleu. Lâchez un petit commentaire pour me dire comment est-ce que vous voudriez que celle-ci s'appelle. Moi j'avais une idée, je me suis dit genre Ivy, dites-moi si vous aimez bien. Et surtout partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification. Donc on a Lal. Eulalie Galon. Hey girl. Donc je vous dis en avance, je vais pas réussir à prononcer les hâtes parce que vous avez des hâtes trop bizarres. Genre je suis désolée, c'est trop galère à prononcer. Alors qui me demande: as-tu déjà eu une relation amoureuse? Non. Ensuite on a une question qui vient de Instagram, de Baby Girl Big Heart, qui me dit: en fait, dans le live de Sullivan, il disait qu'il était en couple avec toi. C'est vrai. Absolument. Nous sommes ensemble. Ça fait désormais 3 ans qu'on essaie de vous le cacher. Sullivan et moi sont en couple. On s'aime plus que tout au monde. Et d'ailleurs, je suis enceinte de son enfant. Regardez. Alors, ensuite, j'ai Alizé qui me demande: à quand un swap avec Sparkdyes? Donc, Sparkdyes et moi sont pauvres. Donc, on va pas faire de swap. Enfin, je veux dire, si vous voulez qu'on se fasse un swap genre Carrefour Market ou Little Vase, mais genre c'est pas un swap de Jules et Gloria que vous allez recevoir, hein. Alors j'ai Lou qui me demande: est-ce que t'as encore des sentiments pour Jules? Non. On a grandi, ça fait 4 ans. C'est beau aujourd'hui, genre girl, je m'en fous de lui. On a Luna qui me demande: je suis pas raciste mais tu es vraiment homosexuel? Je suis pas raciste. Mais es-tu vraiment homosexuel? Vous faites même pas exprès, vous êtes hilarant. Oh là là, mais c'est très très drôle. C'est très très drôle, mais vous êtes hilarant. Oh my god. Donc ensuite, on a genre 1000 milliards de questions qui me demandent: qui est Camille? C'est qui Camille? Qui est Camille? C'est qui Camille? Mais qui est Camille? Mais c'est qui Camille? Camille, 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 Camille. Qu'on sache. Pour vous dire, si on a décidé de l'appeler Camille avec Jules, c'est parce que justement on voulait pas donner son identité. Et donc voilà, donc on va pas la donner, on va pas vous dire qui est Camille, c'est pas le but. Ça n'a aucun intérêt de créer un pseudonyme, sinon vous aurez dit le nom à la base dès le début. Donc vous ne saurez pas. Après, il y a eu beaucoup de gens qui ont enquêté, qui ont donné genre des. Enfin, vous voyez des noms, des budgets, des machins. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que vous êtes plutôt à côté de la plaque. Vous dites un peu n'importe quoi, genre c'est pas du tout ces personnes-là que vous avez genre mentionnées qui sont les personnes, enfin, qui sont Camille. Voilà. J'espère que ça a eu du sens ce que j'ai dit. Tu te verrais sortir avec Jules ou Joanne, obligé d'y répondre? Pff, vous êtes un peu nul. Mais je dirais, oh vous êtes un peu nul. I guess Jules, parce que Jules, j'ai eu les antécédents où j'étais genre amoureux de lui et tout, alors que Joanne et moi, genre on a une relation pleinement amical et platonique, et il n'y a jamais eu genre d'ambiguïté, mais malgré tout, aucun des deux, hein, genre. Je passe sur Jules. On me demande: où est ton père? Tu le connais? On me demande: où est mon père? Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il est? Est-ce que je le connais? Pourquoi on le voit pas dans tes vidéos et tout et tout? Et il s'avère que. En fait, il habite juste à l'étranger, en fait, voilà, c'est tout. Et voilà, donc désolé encore, je vous ai fait un titre. J'ai fait du clickbait à la mort, mais c'est juste que, enfin voilà, les gens vous aimez bien dramatiser de ouf, parce que vu que j'ai une vie un petit peu particulière, je porte des perruques, et bien direct, ah, j'ai été rejeté par mon père et tout et tout. Non, il s'avère juste que mon père habite à très 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 loin d'ici.
à 10 000 km de la France, et bah, très très souvent, le plus souvent que je peux, dès que je peux aller à Singapour, j'y vais. C'est pour ça que je vais souvent à Singapour, pour les personnes qui n'ont pas fait le petit rapprochement. Mais donc voilà, pour les nouveaux abonnés qui ne savaient pas, parce qu'il me semble que j'en ai déjà parlé, mon papa habite à Singapour, j'y vais en vacances, j'y vais dès que j'ai le temps, et voilà, donc je le connais et il existe. Mais vous le verrez pas sur des vidéos. Donc c'est la fin de ce ask. Désolé pour le putaclic, mais au moins j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Sachez, pour toutes les personnes qui se disent genre pourquoi tu fais du putaclic, pourquoi tu fais du putaclic, mais c'est un petit peu pour me moquer des questions genre genre tu changes de sexe, des trucs comme ça et tout. Enfin genre je veux dire c'est des trucs qui ne vous regardent pas trop. Et de deux, je sais pas, j'ai l'impression que je peux rire de ça avec vous, parce que... J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Moi, j'ai kiffé répondre à vos petites questions. Dites-moi si vous voulez que je fasse plus souvent des asks en commentaire, parce que je ne sais pas si c'est un truc qui vous plaît ou qui vous plaît pas trop, ou que... Genre... Donc, vous me dites dans les commentaires si vous avez bien aimé cette vidéo. Moi, personnellement, je me suis éclatée. Si je suis super active et hyper genre... C'est parce que là je suis sur le point d'aller à des répètes de danse et ça fait longtemps que j'ai pas dansé et donc je suis trop contente de... Enfin, je suis à fond quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je me suis grave éclatée à la filmer. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air encore. Ah mais j'ai mess up mes cheveux de ouf là, c'est pas possible. Ah non, pourquoi j'ai fait ça? C'est bon. Sur ce... on se retrouve vendredi à 18h pour une nouvelle vidéo. Yeah. On se retrouve vendredi à 18h pour une nouvelle vidéo. Bisous.